Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère que vous, chez vous, vous allez bien parce que moi, chez moi, comme d'hab, je vais très très bien. Je n'ai pas trop vlogué ces derniers temps parce que je n'avais strictement pas envie et j'avais pas grand chose à vous montrer puisqu'en ce moment, je travaille beaucoup et je privilégie, comme je vous ai dit, ma vie privée. Voilà, tout simplement, je vais pas polémiquer là-dessus, voilà. Je privilégie ma vie privée, voilà, bref. Donc en tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog un peu brouillon, un peu bordel, parce que je vais vous montrer plein de choses. Sachant que j'avais déjà filmé quelques séquences dans ce vlog et que je n'ai toujours pas posté, donc du coup, ça sera un peu dedans, ça va être un bordel sans monstre. Aujourd'hui je ne travaille pas parce que nous sommes jeudi. J'ai plein de choses à vous montrer dans ce vlog, à vous dire et tout. Et là je vais chez Jiffy, puisque je suis en partenariat, comme vous le savez, avec Jiffy depuis plus de 2 ans. Et que du coup je reçois des cartes cadeaux très 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 régulièrement. Donc du coup je vais aller voir, sachant que c'est les soldes. Donc je pense que je vais faire pas mal d'affaires hyper sympatoches. Je suis presque à la fin de mon blanchiment dentaire. De toute façon je pense que je vous ferai une vidéo concernant ce que je suis en train de faire sur ma dentition, tout ça, tout ça. Je suis allé chez le dentiste pour poser mes facettes provisoires. Donc là, clairement, ça change la life. J'ai un sourire white, blanc et nickel, donc je suis trop content. Certes, ça vous coûte un bras, mais quand on voit le résultat, et encore là, le résultat n'est absolument... Là, il m'a dit que le résultat était juste en mode provisoire, donc 20%. Il n'aime pas du tout. Mais c'est juste provisoire le temps que les facettes se fabriquent. Donc il m'a dit entre 7 et 8 jours. Donc là j'ai rendez-vous le 24 juillet pour poser les définitives. Donc voilà, il me reste 4 seringues de blanchiment dentaire parce que j'y suis retourné parce que je n'étais pas content. Mais entre temps j'ai changé de dentiste, donc c'est pas du tout le même dentiste. Celui chez qui j'ai été faire mon blanchiment dentaire, j'étais absolument pas content de plein de choses. Il y a un ami qui a un dentiste qui a une très très bonne réputation à Paris, qui est très connu, enfin qui est top du top du top du top. Et le mec m'a fait un sourire de roi et de nickel en l'espace de un rendez-vous. Donc clairement, comment vous dire, je suis juste refait. Bref, écoutez, je vous laisse, je vous reprends dans ce vlog et je vous montre tous mes achats du jour. Il n'y a personne, vous avez des promos de dingue puisque quasiment la majorité c'est en solde, donc ça vaut grave le coup. Plein de choses en solde et c'est grave grave bien. Franchement, si vous n'avez pas un gros budget déco, venez ici parce que là en ce moment, là genre j'ai déjà ça et uniquement pour ça j'en ai que pour 13 euros, sachant que ça vaut ça de base, ça vaut 12, ça vaut 20, donc pour vous dire que ça vaut grave le... Voilà, la bonne affaire du jour, les soldes chez Jiffy. Bon les amis, je vous reprends dans ce vlog complètement, mais alors complètement du n'importe quoi Maxime. Je viens d'acheter un aspirateur Dyson, je viens d'aller à la boulanger. Parce qu'il était en promo, je l'ai eu à 349 euros. Donc oui, c'est un coût, c'est un aspirateur qui coûte cher, blablabli, blablabla. J'anticipe en fait vos remarques. En tout cas, je me suis fait un kiff. J'avais un vieux truc là qui se battait en duel. On aime le détail du cadenas par terre, bref. Donc, du coup, je me suis pris ce petit Dyson, donc je vais le déballer, je vais vous le montrer et j'en suis très content. J'hésitais beaucoup avec le purificateur d'air. Et clairement, elle m'a conseillé de prendre plutôt ça, donc c'est plutôt cool. J'ai accroché les petites suspensions au niveau du mur, je vous l'avais montré sur Instagram. Mais maintenant, je ne me prends plus la tête, hein. je vous montre plus, je ne sais plus ce que je vous montre à force. Et voilà, il y a la petite Kaline qui vient vous dire bonjour. Et je suis également allé chez Action, donc du coup j'en ai eu pour 38 euros, c'était vraiment pas prévu. J'ai pris ces petites bougies, j'en ai pris que 3 parce que je voulais faire un système de déco sur ma table basse. Je voulais voir avant ce que ça allait donner, donc j'en ai pris que 3. Et si l'effet me convient, j'irai en acheter plusieurs. Ensuite j'ai pris une petite thermo comme ceci en effet marbre noir et blanc, alors sincèrement juste... canon, hein, on va pas se mentir. J'ai pris également une carafe juste sublime également, voilà, pour mettre au réfrigérateur avec des glaçons, de l'eau et mon thé que je bois, je ne bois plus beaucoup gazeux, je bois beaucoup de l'eau avec du thé, voilà. J'ai pris également des épices pour la viande.
J'ai pris un petit jouet pour Raven que je lui donne pas tout de suite, donc hop, on le cache. J'ai pris un savon de massage, également gommant. J'ai pris un nouveau couteau, de la lait, de la soupline. J'ai eu un gros coup de cœur sur l'odeur. C'est vanille et notes d'orchidée, ça sent divinement bon. J'ai repris des piles, des alaises, une petite planche à découper. J'ai pris des coupe-ongles, j'ai pris également la bâche là que vous inspirez, que vous mettez tous les plaids machin et tout, et ça vous fait gagner de la place, donc je vous dirai si ça vaut le coup. A few moments later. J'ai pris également des recharges Airwick, des piles, un masque pour les pieds-pieds. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et j'ai également pris ça pour tester chez Action, donc toujours, des petites gourmandises pour Raven. C'était plutôt bien noté. Il y a eu beaucoup de très bons retours sur les réseaux avec ça. Donc je vais tester ça également pour Mr. Raven. Et j'ai repris des brosses. Ça, clairement, vous avez des animaux, c'est une obligation. Des alaises toujours pour Raven. Alors, donc j'ai beaucoup diminué les alaises puisque j'en utilise que deux par jour maintenant. Donc une pour la nuit et une dans la journée s'il a besoin de faire sur le balcon. Mais clairement, vu puisque j'ai quelqu'un qui me le sort la journée, c'est un gros avantage que j'ai, une grosse chance. Donc en fait, il fait entre 2 et 3 balades dans l'après-midi jusqu'au soir. Donc c'est grave bien. Ah mon petit boubou, bon t'es content, oui t'es content, il a grave grandi. Donc voilà mes petits achats de chez Action, j'en suis très content. Et chez Truffaut j'ai repris un diffuseur comme ceci pour les tartelettes Yankee Candle, je ne retrouve pas le mien. Et j'ai également repris parce qu'en ce moment Raven boude un peu ses croquettes, donc du coup je lui ai pris de l'huile de saumon. Et j'ai repris les croquettes pour mes petites minettes, donc toujours de la marque Optimil. Et du coup j'ai pris celle au veau. Voilà. Sinon concernant le ventilateur, j'en suis vraiment satisfait. Déjà concernant le design, j'en suis vraiment très content. Vous avez la petite télécommande, ce qui vous permet de régler. Il y a un timer, donc vous pouvez le régler. Vous pouvez également le régler, vous avez 10 positions. Donc là ici, vous voyez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc moi quand je suis à la maison, je le mets à 3. Ça brasse l'air, ça fait du bien, Raven il est content. Et quand il fait vraiment chaud, bah vous pouvez le mettre. Alors, il est pas trop bruyant jusqu'à 6. Voilà, au-delà de 6, vous l'entendez un petit peu comme tout ventilateur de toute façon, hein, ce qui est logique. En tout cas, voilà, je ne regrette absolument pas mon achat. Bon les gars, je rentre de course. Donc j'étais faire de grandes courses. En ce moment, chez Auchan, vous avez une promotion pour ma litière. C'est celle que j'utilise tout le temps pour mes chats. Elle est topissime, elle dure hyper longtemps. Bonjour. C'est la marque, c'est la litière tranquille au charbon. Et elle est top. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté, bon ça je pense que vous l'avez vu en story, mais je me suis acheté deux nouvelles paires de baskets. Donc c'est de la marque Puma. Elles sont juste canonissimes. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont juste ouf. Donc voilà, j'ai craqué 200 balles de basket. Et je vais vous montrer du coup la deuxième paire. Je viens juste de rentrer, donc du coup j'ai pas eu le temps de tout Et la deuxième paire de baskets, c'est celle-ci. Pareil, c'est des Puma. Donc voilà, je les trouve trop belles. Et non, tu ne vas pas me les bouffer parce que je les mets en hauteur maintenant quand je pars. Comme ça je suis tranquille. Sinon concernant mes courses, j'ai fait de grosses courses pour être tranquille. Donc j'ai pris des compotes, des yaourts, j'ai quand même pris des petits plaisirs, donc des chips, des petits gâteaux. J'ai repris ça à l'animalerie pour Raven parce que comme, je sais pas si je vous l'aviez dit mais je sais plus, je suis passé aux croquettes de Carnilove pour Raven. Sinon j'ai pris de la brioche, j'ai repris de la soupline, j'ai repris pas mal, franchement j'ai pris pas mal de choses. J'ai également repris ça en petit biscuit pour Raven. J'ai pris ça aussi pour mon ménage. J'ai repris des céréales, des pâtes, du poivron, des aubergines, du taboulé, cordon bleu, de la viande, rôti de dinde, des sushis. J'ai encore tout ça à déballer et j'ai encore deux autres sacs dans le salon. Donc franchement j'ai fait de grosses courses. Et il y avait un truc qu'il fallait que je vous montre mais je ne sais plus. Ah oui, ça sent trop bon. Si vous avez l'occasion de l'acheter,
Si vous avez l'occasion d'acheter ça, c'est de la bombe. Ça sent trop trop bon et c'est un gros coup de cœur. Franchement, je l'avais déjà acheté, c'est jasmin santal et c'est de la bombe atomique. Bon les amis, je suis en train de préparer un petit rôti de dinde. Donc j'ai mis tomates, pommes de terre, aubergines. J'ai mis de la moutarde dessus, du poivre, du sel, de l'ail. J'ai mis tout un tas de trucs, de l'huile d'olive. Donc voilà, je vais mettre ça au four. Ça va être le repas de ce soir. J'ai trop hâte. Simple et efficace. Bon, je vous reprends là. Du coup, je suis retourné chez Action. J'ai repris 6 verres comme ceci. J'ai repris de la crème hydratante pour le corps. Et c'est ce que je disais sur Instagram. En fait, j'ai des crèmes à 400 balles pour le corps et je m'amuse à acheter des crèmes Action. Faut pas chercher à comprendre. J'ai repris des petits beurres parce que j'adore ça et Raven, il aime trop. Même si ça colle aux dents. J'ai repris une brosse à dents. J'ai repris des serviettes. Donc c'est de la gamme Hôtel de Luxe, il me semble, la qualité elle est topissime. J'ai pris également une grande serviette de plage. Un plaid également pour la plage. Les verres, j'ai pris un kit de premier secours parce que je trouve que ça sert toujours. Et là je me suis ouvert le doigt de ouf, donc du coup j'avais rien. J'ai refait une brosse à chiottes. J'ai pris également ça, voilà, pour bien cramer à la carotte. Raven, et aujourd'hui t'as quel âge ? Raven, il a 7 mois aujourd'hui, t'es un grand. Hein, t'as grandi mon cucu ? Bah oui ! A few moments later. Bon, je reviens de chez Jiffy, des idées de génie. Donc j'ai pris ce grand tapis, je l'avais acheté à l'époque pour Ruby et ils l'ont remis à Jiffy, donc je suis très content. Donc ce tapis m'a coûté dans les 15 euros et en fait c'est un tapis à mémoire de forme. Donc en fait je vais le mettre en fait, ici la journée. Ou là, juste ici, et le soir au pied de mon lit, puisque Raven ne dort pas avec moi. Regarde, tu montes. Oh, c'est un nouveau tapis. T'es bien, ça. Oh. Donc voilà. Comme je vous ai dit, il y avait pas mal de sol, donc j'ai fait des superbes affaires. Donc j'ai pris un set de table comme ceci pour Raven pour mettre dans la cuisine quand il mange. Et en fait, c'est rétractable, donc c'est grave pratique, sachant que j'ai pas forcément beaucoup de place pour stocker un seau. J'ai pris un tapis noir. Pareil, comme ceci, pour mettre dans ma cuisine ou dans mon salon. Après, vous le faites à votre sauce. Le tapis, je crois, coûtait même pas 4 euros. Également, un panier. Alors, bien sûr, il y a mon masque. J'ai pris également le catalogue pour vous montrer les soldes. Saladier, mais alors, tellement beau. Et ça, bon, ça, c'est un petit détail. Et ce magnifique panier. Alors, moi, j'appelle ça un panier de mamie. Si vous en voulez un, ils sont à 6 euros chez Jiffy, donc clairement, pourquoi s'en priver. Et en fait, j'ai acheté un nouveau doudou pour Mr. Raven. J'ai pris des trucs comme ça là pour mettre dans la voiture. J'ai pris également ça. Alors ça, pareil, ça valait grave le coup. Je le voulais à chaque fois et puis après, je disais, oh, c'est un peu cher quand même. Il coûte 22 euros et en fait, je l'ai eu à 11 euros et quelques parce qu'il était à moins 50, bref. Donc voilà, j'ai adoré ce petit croco. Une lampe solaire pour mettre sur mon balcon. Pareil, la bonne affaire. Oula ! Pareil, la bonne affaire, j'ai pris une enceinte connectée Bluetooth pour mettre dans ma salle de bain. Et du coup, je l'ai payé 10 euros au lieu de 20 euros et quelques. Quand je pars avec Raven en forêt, en balade, chez des amis ou quoi, c'est hyper pratique. Vous mettez son gramme de croquettes ainsi que le réservoir d'eau. Et ça fait petite gamelle, donc pareil, ça, je sais plus le prix, mais ça coûte que dalle. En bonus, ça, quand je pars en balade et quand il fait chaud avec Raven ou en voiture, c'est hyper pratique. Le distributeur d'eau, vous pouvez mettre jusqu'à 400 millilitres. J'ai repris un plaid, vous savez très bien la passion pour les plaids. Et alors lui, je le trouvais tellement beau et il allait tellement dans ma déco que du coup, je l'ai pris. Pareil, je crois qu'il a coûté 10 euros, il me semble. Pour finir, j'ai pris également ça dans le rayon cuisine à Jiffy, le spray d'émoulage, vu que je fais pas mal de gâteaux. J'en ai marre de mettre du beurre et tout, c'est chiant, c'est long. Là, vous mettez un coup de spray et ça démoule directement vos gâteaux, donc c'est pratique. Et également un truc à joint comme ça pour refaire les joints de ma salle de bain. En fait, chez Jiffy, il y a tout. Sincèrement, vous avez largement de quoi faire. Bon, les amis, je vous reprends dans ce vlog. Je me suis changé, donc j'ai mis mon nouveau t-shirt. Je le trouve trop beau. Bref, donc je suis en look jaune, jean gris foncé avec mes Converse jaunes. On adore ce look. On adore ce look.
Là, c'est très bien, tu l'as bien en place, honnêtement, c'est bien. Voilà. Bon, je voulais vous montrer, alors je ne suis pas un grand amateur d'alcool, mais mon oncle m'a offert une bouteille de vin parce qu'il a une cave extraordinaire et que du coup, je suis né en 1989 et du coup, bah, il m'a offert cette bouteille, donc la bouteille va bientôt avoir 31 ans, donc, enfin, elle a 31 ans, hein, clairement, mais... Franchement, je suis, je bois pas d'alcool, mais je pense que quand je vais l'ouvrir pour la déguster, ça va être un truc de dingue. Donc il m'a dit de la mettre, de la préserver dans ma cave, à l'abri de la lumière, et de la mettre à plat. Donc voilà, mais en tout cas, Saint-Esther 1989. Bon, clairement, je pense que c'est un très bon kiff avec un petit morceau de fromage, et ça va être un vrai kiff. Alors je sais pas quand je vais pouvoir me faire plaisir avec cette bouteille, mais je pense que je me prendrai ma cuite avec ça, c'est sûr. Et sinon, mon oncle m'a donné deux extincteurs, donc je vais faire une déco hyper sympa avec. Je vous le montrerai dans un prochain vlog, je pense même que j'en ferai une vidéo, je pense, dans le vlog, pour vous montrer ce que je vais en faire. Donc là, le but, c'est de tout nettoyer. Je les ai vidés chez ma tante. Et du coup, celle-ci, je crois, si je vous dis pas de conneries, a été périmée depuis... 1984. Voilà, elle a été mise en service en 1976, donc clairement je n'étais absolument pas né, donc c'est quand même un truc de ouf. La décoration, donc je pense que je vais faire je vais laisser ça noir et le reste je vais le faire en blanc, et peut-être que celle-ci sera tout en noir avec une écriture blanche, et je pense que je vais faire la dans le style un peu Chanel, sachant que j'ai le tonneau que j'ai commandé, la planche de skate, enfin bref, je vous montrerai ça de toute façon dans un prochain vlog, mais je suis trop content. Bon les amis, nous allons conclure ce vlog, nous sommes samedi au moment où je vous parle. Donc ce vlog aura été un bordel, va vraiment falloir que je sois plus carré parce que là c'est le bordel de ouf. En tout cas j'espère que ce petit vlog, long vlog je pense, vous aura plu. Je vais emmener en urgence Mr. Raven parce que monsieur s'est fait une petite luxation sur la patte gauche. Comment ? Gros mystère, on ne sait pas. Donc du coup il a 7 jours d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires, je ne sais plus. Sinon il va très bien, niveau cœur ça va, alimentation du coup, bah je lui dis que c'était très compliqué, mais que du coup son poids est idéal. Donc écoutez, c'est pas mal. Donc voilà, en tout cas sur ce je vous fais de gros bisous. Là je pars en week-end dans l'Eure-et-Loir. Je vais chez ma tante, donc c'est grave cool. Je vous emmène pas avec moi puisque là je reste sur mon côté privé. Voilà, mais de toute façon pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous allez voir plein de petites choses. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et désolé de pas être trop présent en ce moment, mais c'est vrai que je profite de ma vie et de la vraie vie, voilà. Donc je vous embrasse et je reviens très vite avec plein d'idées de vidéos. Il y a pas mal de choses parce que je change ma chambre. Je vais apporter plein de nouvelles décos et je vais également... je vous ai pas montré la télé accrochée au mur. Regardez-moi ça. Voilà, je voulais vous montrer. J'ai accroché ma télé au mur, je suis trop content. Donc en attendant, j'ai mis ça sur le meuble. Je pense que je vais rajouter quelques petites bougies fausses, mais ça rend trop bien le soir. Franchement, j'ai acheté ces bougies chez Action et vous avez une petite télécommande et franchement, l'effet est vraiment au rendez-vous. Voilà, en 2 secondes, c'est allumé. J'ai également mis une petite goulotte juste derrière pour les câbles. Donc franchement, j'ai grave bien bossé, je suis trop content. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et du coup, ça va partir. Je pense que je vais changer, je vais apporter de la modification, je vais voir ça. Donc voilà les amis, sur ce je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Avec Raven juste là-bas, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Bisous.